On sait la passion de Lautrec pour les femmes, mais il a aussi fait des portraits d'hommes, notamment ces portraits de boulevardiers, qui montrent un homme qui est dans la vie, qui va au spectacle, qui est prêt à sortir. Et nous avons là le portrait de son cousin germain, Gabriel Tapier de Céléran, qui est dans un couloir de la Comédie française. Un portrait qui est particulièrement saisissant. Un format kakémono qui est bien évidemment inspiré par les estampes et les kakémonos que Lautrec possède dans sa propre collection, mais qui permet aussi d'accentuer la taille. Et donc on a ainsi aussi cette vision en contre-plongée qui nous donne cette même notion. Et quelque chose d'important dans la composition, c'est ce sol en perspective relevée qui du coup devient un plan où la silhouette surgit et s'impose véritablement à notre regard. Et au-dessus de l'épaule de Gabriel Tapier de Céléran, ce visage de femme grimaçant qui n'est évidemment pas sans vous faire penser à James Ensor. Deux éléments donc dans ce tableau. D'une part, l'importance de ces couleurs en aplat, le rouge, le noir et le vert, c'est-à-dire une esthétique pré-fauve. Et d'autre part, cette démarche qui de plus en plus est expressionniste, somme toute, dans l'univers de Lautrec.